Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve enfin pour réagir au tout premier trailer officiel de cette sixième et dernière saison de Cobra Kai. Vous savez à quel point j'adore cette série, vous savez à quel point je suis hype. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos sur Cobra Kai qui vont arriver sur la chaîne. On va analyser le trailer, on va analyser les nouvelles images, on va vraiment parler de tout ce qu'il y a à dire concernant cette sixième et dernière saison, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Encore une fois, si toi aussi tu es un grand fan de Cobra Kai, je compte sur toi. Et bah, petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve sur mon bureau pour regarder le trailer. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la nouvelle vidéo analyse du trailer. C'est parti! On y est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, apparemment, le trailer il commence directement à la fin de la dernière saison. On va voir ça. 3, 2, 1, j'ai trop hâte. We've been through a lot to get to this point. But now we're finally on the same page. We may have settled things in the valley. Tout le monde aime tout le monde, ça fait plaisir. The Saikai Taikai tournament is coming. Now is not the time to push out. You're gonna fight the best in the world. Do I want to know what that's for? Training. Rocky Four style. J'adore Johnny. Now what could possibly go wrong? No matter what life throws at you, you gotta stay on your feet. Johnny, toujours Johnny. Retour vers les bases. Don't jeopardize that balance, man. Ok, il continue à se faire la guerre, ces deux-là. Only through pain does a champion reveal himself. Yes, sensei. Oh, ces deux-là, ils sont incroyables. Ok, première partie. En vrai, apparemment, tout n'est pas réglé, hein. La nouvelle coupe de Hawk. Ah, j'ai hâte d'être au 18. Les nouveaux kimonos. Un secret de Miyagi. Waouh. Vraiment, ça a l'air incroyable. Mais là, dites-moi, est-ce qu'on n'est pas sur le point de rencontrer El Famoso? Attendez, je le cherche. Est-ce qu'on n'est pas sur le point de rencontrer El Famoso Sensei de crise? Est-ce qu'on n'est pas sur le point de rencontrer plutôt le GOAT? Ah, je sais pas, hein, je sais pas, mais on a, j'ai pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment de retour vers les bases, hein. Le fameux grand-père de la DAB, je sais plus comment il s'appelle là. Mais en tout cas, l'inventeur de la voie du poing, mesdames, messieurs, hein. S'il est vraiment de la partie, il y a vraiment moyen que ça soit abusé quand même. Hein. En tout cas, le trailer, il est incroyable. Toujours dans l'ambiance Cobra Kai. Tout est super stylé, tout est super beau. J'ai vraiment, vraiment, vraiment trop hâte de découvrir ça. Alors, on voit qu'il y a toujours tension entre Johnny ainsi que Daniel. Il y a toujours tension entre les deux filles. Il y a toujours tension entre quasiment tout le monde, en fait. Il y a pas forcément tous les problèmes de la dernière saison qui ont été réglés. Et ça fait plaisir. Comme ça, on aura plus d'intrigues. J'ai hâte de voir Kenny et compagnie. Parce que Kenny, bizarrement, on l'a pas vu dans ce trailer. Bon, peut-être que j'ai pas remarqué. Il me faudra 2-3 autres visionnages avant de vous proposer la vidéo analyse et tout. Mais en tout cas, tout ça, ça a l'air bien stylé. J'aime beaucoup la nouvelle coupe de Miguel. Bon, il se ressemble mine de rien pas mal. La nouvelle coupe de Hawk aussi, j'aime beaucoup. Hawk, à chaque fois, il a une nouvelle coupe. Et là, vu que ça change énormément, ça se voit que c'est une coupe différente pour la fin et tout. Bah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Retour au dojo et tout. Non, vraiment, ça fait grave plaisir. Bien évidemment, d'ici quelques minutes, on va avoir droit à de nouvelles photos, à de nouveaux interviews et tout. Et bien évidemment, on sera là pour en parler sur la chaîne d'ici quelques minutes, voire dans les jours à venir. Ne vous inquiétez pas, les vidéos théories arrivent. On va essayer de théoriser concernant le fameux secret de Miyagi. On va essayer de théoriser concernant pas mal de choses. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on réagit juste au trailer.
Et après avoir regardé 10 000 autres visionnages, je vais essayer de vous l'analyser, de voir ce que ça donne, de voir ce à quoi on peut s'attendre tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu de Cobra Kai sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer, vraiment ça m'intéresse. Et sur ce, je tiens toujours à rappeler que Cobra Kai est un banger. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.